Allez, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Gersin. Alors aujourd'hui, comme la semaine passée, on part en IMSA Online Championship Sport Car. On est toujours en LMP2. La semaine passée, on a fait la victoire sur le circuit de Monza. Ici, ben, on est quand même pas mal de LMP2, donc un top 10 serait pas mal. Il n'y a que de LMP2 et des GTE dans cette course. On est plus de 220 inscrits pour cette course à midi 45. Donc, ce que vous le voyez, il y aura les qualifications, un tour lancé, deux tours à fond. Ensuite, on partira pour une course de 45 minutes avec un pit stop obligatoire parce que nos réservoirs sont bridés à maximum 60 litres et avec 60 litres, on ne fait pas l'entièreté de la course. Donc il y aura un pit stop où je ne changerai pas les pneus au ravitaillement, je ferai juste du refueling. Allez, on va partir pour cette qualif. Je vous ai dit qualif 8 minutes, on a droit à deux tours avec un tour lancé. On va assurer sur ce circuit. On s'est pas mal entraîné, on a bien piloté en practice. On a fait beaucoup d'entraînement pour la course et avec les 60 litres d'essence dans le coco. Et on part pour la qualif. On va assurer, on va bien se placer. Et puis ben, on verra parce que ce circuit va nous réserver pas mal de petites choses dans cette course avec les GTE qui sont quand même beaucoup plus lentes que nous. Allez, c'est parti pour la qualif. You have about 5 laps of fuel left. Alors, un tour à son aise, bien pensé à chauffer les pneus pour qu'ils soient à température optimale. Circuit de Suzuka ici très technique, c'est extrêmement compliqué de dépasser. On verra ce que ça va donner quand on sera dans le trafic, mais essayer de bien se qualifier. Alors, j'ai pas réussi à descendre en dessous des 1,45. On va voir où ça va nous placer. Ce circuit de Suzuka, bon, moi c'est un apprentissage, clairement. J'ai pas beaucoup de kilomètres dessus. Enfin, en tout cas sur iRacing. Ben voilà, but ici, essayer de faire un top 10, finir la course. Et après, on verra. Allez, on va se concentrer. Green flag, green flag. Allez, c'est parti pour les tours qualifs. Ok, here comes your first time lap. J'ai l'impression que la piste glisse beaucoup.
Non, on est large ici. Allez, on va se concentrer pour le deuxième tour. Parce que là, c'est pas bon. One more lap. You have about one lap of fuel left. Se qualifie quatrième pour le moment, on peut faire mieux que ça. Encore une erreur. Ah, on n'améliorera pas. Ah si, on fait troisième. N46 641. Allez, il reste 52 secondes. On va préparer la voiture pour la course. Comme je vous l'ai dit, 60 litres. Voilà, 60 litres max. Au niveau des résultats, on est quatrième temps. Je suis un peu déçu de ma qualif là. Mais bon, on fera quatrième. Même cinquième. Allez, on va grider 60 litres. One to go, next time by. Line up on the right side. Voilà, on va descendre. On va descendre à 42 litres et demi. Mètre 43, on va décocher les pneus. Voilà, on a décoché, on touche plus à rien. Et on est parti pour 45 minutes de course, on fait P5. On va essayer de passer entre les embûches sur ce mythique circuit de Suzuka.
Je ne sais pas pourquoi il a mis mes anciennes couleurs. Allez, c'est parti. On fait pas un tour de chauffe complet hein, sur Suzuka. Je sais pas pourquoi il met pas mes nouvelles couleurs et il met les anciennes. Get ready, going green. The pace car is off, be ready. Allez, on est parti. Green, green, green. Ouais, on a pris une place au départ, c'est bien. On ouvre la quatrième. Allez, troisième. On a un peu large ici. Mais c'est pas grave, on a gardé notre troisième place. On se reconcentre. Devant, ça se bat, c'est chaud. Alors qu'il y a déjà des insultes qui fusent dans le chat.
Alors, je ne les ai pas parlé beaucoup, il me faut toute ma concentration sur ce circuit. Alors, on arrive déjà sur le retardateur. The next car's the leader. Allez, on est revenu sur les deux premiers. Pete Dutoit et Chris Pollock. On va essayer de garder le gap sur Brian Moger qui est pas loin non plus. C'est plutôt propre jusqu'à maintenant, rien à dire. Allez, nous on s'occupe de nous, on fait notre course, on les laisse se battre devant. Tout ce que j'espère, c'est qu'ils partiront pas à la faute. Dans 34 secondes, on est revenu sur le GTE. Allez, ça roule bien, il y a du respect entre nous, c'est top. On se connaît, hein, Pete Dutoit, j'ai roulé contre lui à Monza. On a échangé quelques messages en anglais parce que c'est un Sud-Africain. Avant la course d'aujourd'hui. Et c'est un super gars. On va voir ce que ça va donner dans le trafic. Pour le moment, j'assure, je reste tranquille. Ça a rien d'aller faire le casse-cou et d'aller me coller à eux trop près. On pilote propre, on prend de la marge. On prend confiance en la voiture, c'est très bien. Ils sont un peu plus rapides que moi devant. On va essayer de tirer son épingle du jeu quand on tombera sur les retardateurs et les GTE dans le trafic. On garde le gap avec Brian derrière. Une seconde neuf d'avance, c'est très bien aussi. On se motive.
Gardez l'esprit positif toujours. Si on fait une erreur, se reconcentrer. Très important l'esprit positif en compétition. C'est dire qu'on est capable de faire les choses et de les tenir. Et on arrive sur les GTE, 2 secondes 7, elles sont là devant. C'est maintenant qu'il faut être solide et gérer. Voilà, la première est passée. Oui, on est revenu clairement sur Pit du Toit. Allez, cette CGTE, elles vont nous recoller les uns aux autres. Chris qui a pris 2 secondes, 1 d'avance. Oh, Pete là qui a pris un risque. Les 4 premiers de la catégorie, en moins de 4 secondes, c'est plutôt pas mal. Surtout sur ce tracé. Il y a du niveau, c'est bien. Allez, encore 10 tours à faire avant le pit. Après, le cinquième est un peu loin, Christian Wagner. 8 secondes 7. Ouais, il y a du trafic là-bas devant, ça va être compliqué encore. Oh, c'était chaud. Allez, on l'a remercié parce qu'il nous a laissé passer quand même. C'était chaud là dans les S. Voilà, on a pris un peu d'avance sur Brian. Vous avez dit le trafic, gestion du trafic super importante ici en IMSA. Puis t'as pris un peu d'avance aussi. Voilà, on se retrouve un peu dans un no man's land. Les gars devant sont plus rapides que moi. Et le gars derrière est plus lent. Allez, il reste encore 8 GTE à passer. Caroline,
Slow car ahead. You got a slow car on the right. Right side. Clear on the right. Go left. C'est bien, on a eu la Ferrari avant les S, c'est ce que je voulais. On avait pris un peu de temps sur Pit. On ne pourra pas vraiment jouer sur la stratégie aujourd'hui. Parce qu'avec 60 litres d'essence dans le réservoir, ben, on va tous s'arrêter quasiment au même moment. C'était pas comme à Monza. Ah, ils sont pas loin, 2 secondes, 4 secondes, 4 sur Brian. 7 secondes d'avance sur Christian Wagner, 8 maintenant. Allez, ça fume les pneus là. C'est chaud là devant avec la Ferrari. De nouveau, même chose. On l'a au bon moment, on va lui dire merci. Parce qu'il nous a laissé passer au bon moment. Ouais, pour le moment, c'est une super course. On tient le podium pour une première sur Suzuka. On a repris du temps sur Pit, 1 seconde 5 maintenant. Allez, on est dans le rythme, c'est bien. On va avoir cette Porsche dans la ligne droite aussi. Allez, on se signale. On fait des appels de phare, on y va. Magnifique Porsche GTE. Prendre l'aspi un peu de la Porsche. Ah, le premier qui va être bloqué là-bas. Non, il est passé. Ça aurait été bon pour nous qu'il reste bloqué. Pit est bloqué malheureusement. La GTE là qui a été super sympa, il s'est quasiment mis à l'arrêt. C'était le premier des GTE. Jordi Monleo. Allez, on va de nouveau souffler un peu ici. 14 secondes avant de récupérer l'autre GTE. Il nous reste 5 tours à faire.
should have about 5 laps of fuel left. Ouais, on est tous à peu près du même niveau. On a fait à peu près la moitié de la course. Ouh, la pit était loin. Il a coupé, il va avoir un slowdown à mon avis. Alors, s'il a pas un slowdown, je sais pas comment il a fait. Allez, on revient encore sur le GTE, le dernier des GTE. Je sais pas trop ce qu'il allait faire là. Milieu de piste, c'est pas une ligne de course, les gars. C'est à chaque fois limite sur les freins. Allez, ils vont de nouveau se battre devant. Nous, on sort aux premières loges pour assister à ça. Allez, encore 3 tours à tenir avant le premier pit. Avant le premier pit, le seul pit à faire. Allez, on est dans le coup, on est là. Même si c'est la première fois sur ce circuit avec cette voiture. Ah, je vous l'ai dit, c'est ça le plus dur, c'est le trafic. Vous voyez la Porsche là-bas. C'est pas trop quoi faire.
Ah, ils sont vraiment collés là-bas devant. Tout ce que j'espère, c'est qu'ils vont pas s'accrocher. Parce que je voudrais pas gagner comme ça. Ouais, deux tours avant le pit. Non, ils sont chauds là devant. Et ça me permet de revenir, je vais pas m'en priver. Nous on est un peu large ici, c'est rien, ça passe. Ah, ils sont quasiment côte à côte là. Pete qui met une sacrée pression sur Chris. Nous on est bien mis derrière là-bas, si jamais il se touche, ben on pourra passer. Il y a un drapeau jaune. C'est bon. C'est Matt Anderson. Oh, Matt là-bas qui gêne un peu. Ça c'est pas bien. Et voilà, je vous l'ai dit. The next car's the leader. You have about one lap of fuel left. On se met deuxième, le plus dur c'est ça, c'est le trafic. Et malheureusement, Chris s'est fait avoir. Okay, you're in second. Ah ouais, il a même. The next car's the leader. Merci à la BM qui s'est retiré là. Oui, c'est ça la difficulté de ce circuit. Maintenant, c'est Pete et moi. Mais je crois qu'il est plus rapide que moi sur cette course. Et P2, c'est vraiment pas mal. Allez, on continue à se concentrer. Normalement, on devrait rentrer à ce tour-ci. Ouais, il reste 16 minutes. Ouais, Pete est plus rapide que moi. On va la jouer intelligente. On rentre ici. Un peu large. Move it.
leader's bidding now. Car right, clear on the right. Pete là-bas dans le fond. Je suis mauvais là.
You got a slow car on the right. Non, on est de nouveau dans le trafic. Il faut toujours qu'il y ait un con qui sorte au moment où on arrive. Got a slow car on the right. Putain! Voilà, je sais pas trop ce qu'il allait faire, est-ce qu'il allait me laisser passer ou pas.
about 5 laps of fuel. Car ahead. Allez, on a repris 3 secondes à Pete, mais elle a été gênée dans le trafic, sûrement. Oui, bien, c'est ça le plus compliqué, c'est ce putain de trafic. White flag, white flag. Allez, dernier tour. Left side. Clear on the left. Allez, les pneus commencent à être off. Car right. Clear. Et voilà, drapeau à damier. On fait P2, encore une bonne course. Super victoire de Pete devant moi là. Et nous, ben, on est parti 5e. Chicken flag, chicken flag. Et on est remonté à la 2e position. Good job, very good job. Thank you, man. Belle bagarre aussi avec Brian Mogé derrière. Ouais, super bagarre avec lui, on s'est bien marré. Une excellente course.
Allez, voilà. Un podium à Monza, une première place à Monza, une seconde place ici sur Suzuka au soleil levant. Circuit hyper, hyper, hyper technique. Super course de Brian aussi derrière, il m'a mis la pression jusqu'au bout, il n'a rien lâché. J'ai essayé de mettre la pression à Pete, mais aujourd'hui il était beaucoup plus fort que moi, beaucoup plus vite, déjà rien que dans les qualifs. Et ensuite ben, j'ai assisté à la belle bagarre. Je suis un peu déçu pour Chris qui s'est fait percuter là. Mais sinon, super course. Allez, deux podiums de suite, une victoire, une deuxième place, que demander de plus? Je ne sais pas si Brian est français. Je pense que oui, hein. Vu les couleurs sur sa voiture, je suppose que oui. Deux francophones sur le podium. Et un sud-africain sur la plus haute marche. Et voilà, à mon avis, Pete et moi, on va se retrouver ex aequo au championnat. Puisqu'on a fait une première place, une deuxième place chacun. C'est super de piloter avec lui. C'est un très très bon pilote, le sud-africain. Et il y a eu beaucoup de respect entre nous. On s'est échangé quelques mails sur le site en anglais. Et c'est un chouette gars. Allez, on va rentrer l'auto au pit. Et voilà pour cette deuxième course du championnat. On avait mis un peu deux tours, un petit peu d'essence en trop. Mais on va pas cracher sur cette deuxième place. C'était une super super course. Je me suis beaucoup amusé. J'ai eu un peu de mal dans le deuxième stint. J'avais les pneus qui étaient un peu cacahuètes et un peu off. Mais super course. Allez, voilà, si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la, commentez-la, laissez-y un pouce bleu. J'espère vous avoir bientôt sur ma chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt sur les circuits. Ciao, ciao, les amis!